Monsieur le Président du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur, Mesdames et Messieurs les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur, Mesdames et Messieurs les responsables des associations des Togolais de l'Extérieur, chers compatriotes de la diaspora, Mesdames et Messieurs, il y a 3 ans, le 2 juillet 2019, nous lancions le processus électoral ayant conduit à la désignation des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur, qui marquait la concrétisation de la politique d'inclusion du chef de l'État, le président fort Sozigné Nyasimbe. Et cette politique, comme vous le saviez, vise à répondre aux aspirations de tous les Togolais où qu'ils se trouvent. Avec un regard rétrospectif, il me plaît très humblement aujourd'hui de souligner que si l'entreprise paraissait une gageure, en ce que peu de compatriotes à l'époque y croyaient, ce premier mandat qui s'achève nous aura convaincus que cette initiative répond véritablement à un besoin réel, celui de fédérer toutes les forces vives de la diaspora togolaise en une instance fêtière qui est à ce jour l'interface entre le gouvernement et les Togolais de l'extérieur. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur fait désormais partie intégrante de l'écosystème institutionnel de notre pays, le Togo. Il n'est d'ailleurs pas superfétatoire de rappeler qu'il s'agit de l'une des recommandations formulées par vous-même lors des assises de la diaspora togolaise que nous avions eues en 2014. Organe consultatif de statut associatif, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été conçu comme le cadre par excellence d'échange entre la diaspora togolaise et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun. Il est, comme vous le saviez, chargé de suivre et de coordonner les actions de développement de la diaspora togolaise dans le monde entier. Je voudrais féliciter mes frères et sœurs de la diaspora, chers compatriotes, qui en pionnier ont accepté de participer à cette première mandature. On savait déjà que l'aventure ne serait pas aisée pour eux, mais on était loin de s'imaginer que quelques mois seulement après leur installation, la crise sanitaire de COVID-19 viendra donner un coup de frein à la réalisation des plans d'action des délégués pays. Mais malgré ce contexte difficile, nous pensons, à notre humble avis, que le résultat est plus que satisfaisant. Individuellement, certains délégués pays se sont distingués par leur disponibilité et leur capacité à fédérer les Togolaises et les Togolais de l'extérieur autour de projets communs et surtout à intervenir promptement dans des situations de détresse des compatriotes en complétant ou en suppléant parfois l'action des missions diplomatiques et consulaires. Les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur se sont également illustrés comme des véritables promoteurs de l'identité et de la culture togolaise et des défenseurs de l'image de marque de notre pays en initiant ou en soutenant plusieurs manifestations. Et je voudrais surtout les féliciter pour ces initiatives et aussi féliciter le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, notre compatriote M. Atiso Kodjovi, dont l'engagement et la disponibilité ont fortement servi l'image de cette nouvelle structure. Je voudrais saluer particulièrement aussi ses vice-présidents qui se sont engagés à travailler avec lui pour la réussite de cette mission. Collectivement, le rôle du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été essentiel, comme par exemple dans l'organisation des vagues successives de rapatriement des compatriotes bloqués dans leur pays de résidence par la fermeture des frontières dues à la crise sanitaire dont nous avons parlé, COVID-19, comme il a été aussi récemment
dans l'assistance à nos compatriotes qui furent en difficulté en Ukraine au début de la crise russo-ukrainienne. Je voudrais également saluer la contribution des délégués de pays, particulièrement ceux d'Afrique, lors de la campagne de recensement des Togolais de l'extérieur qui vient de s'achever. Chers compatriotes et chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, malgré les résultats encourageants, nous devons reconnaître qu'il reste d'importants défis à relever. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous, en tant qu'administration, avons tiré des enseignements de cette première expérience. Des innovations ont été apportées au dispositif pour améliorer et renforcer son efficacité en tenant compte des réalités du terrain, celles que nous avions connues pendant 3 ans. Donc, le nombre, par exemple, des délégués pays est ainsi passé de 77 à 48, à raison de 22 pour l'Afrique, 5 pour la zone Amérique-Caraïbe, 7 pour la zone Asie-Océanie et 14 pour l'Europe. Le but est d'avoir un groupe beaucoup plus resserré pour faciliter les interactions et les prises de décision. Comme pour la première édition, le processus électoral se déroulera entièrement en ligne. Seul moyen aujourd'hui d'atteindre tous les Togolaises et tous les Togolais de l'extérieur, où qu'ils soient. Une commission électorale indépendante, composée de personnalités jouissant d'une bonne moralité, conduira le processus. Je lance solennellement un appel à tous les compatriotes qui souhaitent librement se porter candidat ou électeur à se mobiliser et à consulter le site www.diasporatg.org où toutes les informations pertinentes sont publiées. Il me reste qu'à rappeler que le mandat de délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur étant volontaire et bénévole, votre engagement sera donc le témoignage de votre patriotisme et de votre attachement à votre mère patrie, le Togo. Vive la diaspora togolaise au service du développement de notre pays et vive le Togo. Je vous remercie.